service de maintenance de ces choses-là qu'on paye. Dès que c'est. Oh là, d'ailleurs. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre de l'Action nationale. Bonjour. Vous avez vos sous là, vous êtes content. Et puis on s'est arrêté, c'est bon maintenant. On a démarré quand même un peu. On a démarré de l'île de l'île, je pense que c'était pas encore visible, forcément, dans la banque. Non, mais c'est fait depuis. Moi je suis parti vendredi, depuis jeudi soir. C'est pour certains, depuis jeudi. Mais l'autre banque là, c'est viré le vendredi à 17h et c'est visible autour de samedi à midi. Parce que les banques ne travaillent plus à midi. Ça dépend des banques. Il y a des gens qui attendent la veille. Pour un problème particulier. Problème particulier, monsieur le ministre. Bon. Je suis responsable logistique pour ce poste. Nous sommes les surveillants, nous sommes entretenus. En tant que responsable de la mission, je viens de faire monsieur le ministre dans un problème particulier. Monsieur le ministre, en fait, l'un des besoins qui est pressant, c'est un véhicule de liaison, parce que tous les matins, les membres du secrétariat sont censés se rendre au niveau de la gendarmerie pour leur montrer des épreuves par jour. Et nous faisons face à un manque. Vous faites tout ça, ça se passe souvent comment? Souvent, l'année passée, j'ai pris mes responsabilités. J'ai demandé à un collègue de laisser son véhicule et qui passait pour la régulation. Mais prenant pas vos responsabilités. Donc cette année, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Parce que je suis asphyxié, monsieur. Mais est-ce que les autres centres, est-ce qu'on donne aux autres centres des véhicules et les gens? Pourquoi vous êtes trop gâté là, comme ça? Et puis, ça se fera, non? C'est pour ça que je suis là, hein. Voilà, les dispositions ont été prises dans ce projet. Je ne vous en ai pas parlé ce matin, dommage. D'accord. Sinon, monsieur le gestionnaire a pris ses responsabilités. D'accord. Nous allons avoir avec une liaison. C'est pour ça qu'il faut mettre à disposition les fonds avant. S'il n'y avait pas les fonds, s'il n'y avait pas, vous avez compris. Bon courage. Vous allez me revoir ici certainement dans une semaine. Oui. Excellence, nous avons une préoccupation un peu de moindre. Nous sommes des membres, des surveillants des salles de compétition. Et malheureusement pour nous, une note de cadrage signée du directeur général, du directeur central d'affaires financières, stipule que les surveillants des salles de compétition n'ont pas droit au perdième qui leur permettrait de ne pas se déplacer à midi pour. Pouvoir prendre un bout de pain. Nous, on se demande pourquoi cette mesure un peu jugée discriminatoire, dans la mesure où les surveillants des entrées et tout le reste bénéficient de cette qui n'est pas les surveillants des salles. C'est juste une préoccupation. Et ça se passe souvent. Ça se passe comme ça souvent. Oui, c'est une préoccupation qui date et toutes les années, je crois qu'on on la renvoie au niveau de la RICAF qui malheureusement n'agit pas en faveur des. C'est structurel, il faut régler ça structurellement. Il faut régler ça structurellement. Ok, mais ça, j'aime autant que ça me remonte avant, comme les syndicalistes ont fait remarquer qu'on était tout contre les superviseurs. On a des gros problèmes. Donc on va régler ça structurellement. Est-ce qu'on peut rattraper ça? A posteriori, pour cet examen-là, on va voir, mais on va régler ça structurellement. Ok, mais bon, voilà. Merci, monsieur le ministre. Je m'appelle Wilfried Tissouma, proviseur intérimaire du lycée Roger Bouton. Le but de la visite de monsieur le ministre,
s'explique par le fait que le baccalauréat va se faire d'ici peu. Voilà. Il est de bon aloi que lui, en tant que ministre de la tutelle, il puisse venir toucher du doigt l'effectivité donc du démarrage des activités relatives aux épreuves du baccalauréat, voilà, s'imprégner également de la présence des membres du secrétariat, des membres du jury, voilà, et rassurer tout le monde, voilà, comme un bon patron. Il faut dire que bon, ça nous fait un baume au cœur, hein, la visite de monsieur le ministre, voilà, on ne s'y attendait pas, mais au moins c'est qu'il est là, il était là avec nous, voilà, c'est toujours un plaisir pour tout le monde, pour tous les membres qui auront à prendre une part active par rapport au moment de l'examen, voilà, les surveillants des entrées, les surveillants de salle de correction qui étaient en réunion avec monsieur le président, voilà, et tout le staff, vraiment c'est une joie, voilà, que nous voulons exprimer par rapport à la visite de monsieur le ministre. Je suis monsieur Makoti Jean-Pierre, président du centre baccalauréat Gamba, session 2021. Ce centre qui a été créé il y a déjà 3 ans, parce que nous sommes à la 3e session là, est un centre qui regroupe 117 candidats. Et les séries concernées, c'est la série A1, la série A2, la série B, C et D.